Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler donc des deux nouveautés de cette Lego Ninjago 2022. Alors ça sortira qu'en 2022, donc en mars. Donc voilà, donc on va parler en détail donc de ces nouveaux produits. On va tout d'abord parler du set donc de la bataille. Donc j'ai plus trop le nom en tête, mais la deuxième partie, ça va concerner donc les nouvelles toupies. Donc on va voir les nouvelles fonctionnalités sur ces toupies. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord donc avec le set donc Ninjago Training. Voilà, donc ça sortira le 1er mars, donc au prix de 40 €. Donc on a bien le prix. Alors c'est toujours pas sorti sur le shop Lego, mais j'ai déjà un petit extrait, ou plutôt une image donc de ce produit là. Donc voilà, donc on peut apercevoir l'extension en fait donc du temple, donc c'est plutôt pas mal. Nous avons le petit toboggan, donc si j'arrive à bien pointer le laser, hop, voilà. Donc là vous avez du coup le petit toboggan marron juste ici. Donc ça, j'avais fait ma petite théorie que ça allait être la même pièce que dans le set donc des Tortues Ninja, et donc ça se confirme, c'est donc la même pièce, pas de nouveauté en particulier sur ce petit toboggan. Nous avons aussi du coup le petit accessoire donc pour bien relier la structure donc au temple. Donc voilà, donc ça fait une petite reprise. Également donc un petit espace pour faire le temple. Et enfin du coup vous avez les personnages. Donc juste ici vous avez donc du coup Jay et Zayn, ainsi que le boa juste ici. On passe maintenant du coup à la photo numéro 2. Donc du catalogue révélé par Lego. Donc voilà, donc on a du coup les trois toupies. Donc là, rien de neuf malheureusement, même si on nous dit que c'est de la nouveauté. Mais pour ma part, ces trois toupies ressemblent fortement aux toupies donc de la saison 11, si je dis pas de bêtises. Donc lorsqu'il y a du coup la saison coupée en deux, donc la partie feu et la partie glace. Et donc ça nous fait repenser à ça, c'est quasi les mêmes toupies, même si ce ne sont pas les mêmes figurines, mais on y ressemble vachement, et surtout à des détails près, c'est quasi les mêmes. Donc voilà, donc ça sort en mars. Donc j'aimerais juste vous montrer un petit peu plus donc en détail grâce à mon petit laser encore une fois. Vous avez du coup la toupie J, alors du coup on va voir, mais vous avez une sorte de protection sur la toupie juste ici. Voilà, la petite toupie donc assortie avec, donc en fait on a une mini toupie avec une un petit peu plus grosse. Et donc du coup la particularité de cette nouvelle toupie, c'est que nous avons du moulage donc un petit peu plus gros par rapport donc à la force lorsque vous tournez donc la toupie sur elle-même. Du coup ça va rester plus stable et plus longtemps à tourner, je pense que c'est ça l'objectif. Et donc du coup si vous regardez bien, vous voyez qu'on va avoir du coup un petit élément supplémentaire pour pouvoir faire tourner la toupie comme donc comme chaque année, j'ai envie de vous dire comme un peu les speeders, si vous voyez bien la thème Shima. Donc à mon avis on va avoir un espèce pareil donc de petites pièces pour pouvoir faire tourner la toupie exactement donc pareil. Donc nous avons aussi Lloyd donc avec trois petites bombes, ça c'est un peu original par rapport aux deux autres où nous avons des espèces d'éléments, ça je vais revenir aussi. Du coup Lloyd est assorti, donc en fait c'est un vert clair, donc ça c'est un peu spécial, donc ça c'est intéressant pour cette toupie également, parce qu'en saison 11 on avait pareil, mais nous avons je crois que c'était une espèce donc de masque doré. Là du coup vous avez du coup un masque vert clair, ça je trouve que c'est plutôt intéressant juste pour cette toupie de Lloyd. Peut-être je vais me laisser tenter, mais c'est vraiment pas sûr parce que franchement ça ne donne pas trop envie. Et bien sûr vous avez dans le set entraînement, vous avez une toupie également inclue. Vous avez celle de Zayn, hein. Donc ça c'est une exclusivité, donc ça c'est pas mal. Et vous avez du coup la toupie de Kai qui ressemble vachement à celle de la saison 11. Moi je l'ai en plus, franchement c'est quasi la même, même si la toupie est différente, c'est quasi la même malheureusement. Pour ceux qui détiennent déjà la toupie de la saison 11, je ne vous la conseille pas. Après ce sera à vous de voir, hein. Si vous voulez vraiment compléter l'ensemble des sets de cette année, bien évidemment vous pouvez la prendre. Je ne vous oblige pas en tout cas à la prendre, mais pour moi je pense que c'est pas trop un très bon set à prendre, hein. Franchement vaut mieux prendre des sets vraiment à 10 € que nous avons comme cette année, mais je ne vous conseille pas de prendre cette toupie, en tout cas celle de Kai, même si celle de Jay et Lloyd sont plutôt pas mal, mais celle de Kai c'est du déjà vu. Voilà,
Donc on va passer du coup à la conclusion. Et donc ici, donc vous voyez, donc je reprends ma miniature du début pour vous conclure tout cela. Donc je trouve que le set d'entraînement est plutôt original. Moi j'aime bien. En plus, on va pouvoir le clipser du coup avec le temple si vous le prenez. En tout cas, pour ma part, je le prendrai quasi sûr. En tout cas, en plus, on a Pixal, hein, je vous rappelle un peu les figurines. J'ai du coup pas fait la vidéo, en tout cas les deux vidéos sur les deux plus gros sets. Hein, vous avez vu que j'avais fait les autres. Parce que tout simplement, j'ai pas trop envie de me faire spoiler. Je pense peut-être les prendre. Donc, pour ma part, en tout cas, je ne fais pas les deux dernières vidéos. Donc, je verrai bien. Mais donc, du coup, voilà. Vous avez du coup aussi les toupies. Encore une fois, je vous résume pas tout. Mais en tout cas, la toupie qui me donne un petit peu plus envie, c'est celle de Jay et de Lloyd. C'est un petit peu différent par rapport au set de la saison 11. Hein. Excusez-moi si j'ai pas l'année. Mais en tout cas, moi, ce qui me revient le plus, c'est la saison. Moi je résume plutôt par saison ou par année, hein, c'est comme vous le souhaitez. Également, donc je ne sais pas si en tout cas je ne l'ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a la toupie de Zane juste ici, donc bleu clair. On reprend aussi quasi la même chose que la saison 11, pareil, parce qu'on avait eu du coup un mètre de glace. Et donc du coup on reprend quasi le même moule, donc la même couleur, mais un petit peu plus grosse, pareil. Donc c'est pas trop une nouveauté également. Mais je trouve quand même que le temple est plutôt bien. En tout cas, c'est pas tout le temps qu'on a des extensions à part quasi. Donc je crois que c'était pour la saison de 12. Voilà, la 12, on avait eu plein d'éléments pour faire une grande partie de jeu de société. C'était en termes de jeu de société. Mais là, vraiment, une extension, c'est pas tout le temps le cas. Je trouve ça cool. Voilà. Et en plus, moi j'aime bien le toboggan aussi. On va pouvoir avoir du coup les deux derniers ninjas. Donc ceux qui seront un petit peu plus patients, vous pouvez prendre du coup, et ça je vous le dis dans cette vidéo, si vous souhaitez prendre du coup le temple et le set du coup de l'entraînement, en fait vous aurez tous les ninjas inclus. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous aurez tout, alors vraiment tous les ninjas, vous avez Nia, vous avez Lloyd, vous avez Sensei Wu, Pixal, donc là vous avez vraiment tout la crème de la crème, vous avez toutes les figurines. Donc pour 140 euros, vous avez... en fait toutes les figurines des boîtes. Donc ça, ce sera à vous de voir bien évidemment si vous voulez attendre jusqu'à mars. Et donc voilà, donc ça c'est pour les plus patients. Si vous attendez, vous prenez du coup qu'un set en janvier et ensuite vous prenez qu'un set en mars et vous avez tout, à part bien sûr les toupies qui sont du coup exclusifs. Mais pour ma part, comme je vous l'ai dit, c'est pas trop une obligation de les prendre. Vraiment, c'est voilà du déjà vu pour ceux qui avaient déjà pris les toupies. Pour la saison en tout cas 11. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez aimé donc mon avis sur ces boîtes là. Donc pour ma part du coup, si vous voulez revoir mon avis sur les autres sets, vous avez toujours le live des disponibles sur ma chaîne YouTube. En tout cas je l'ai mis dans ma principale, donc du coup dans le côté communauté ou même dans la chaîne principale, hein, carrément. De toute façon, c'est la première vidéo que vous pouvez voir, donc ce sera facile à regarder si vous le souhaitez. Puis aussi, vous avez les différentes vidéos de chaque set que j'ai fait, sauf bien évidemment les deux derniers sets. Voilà, donc c'était Geoffroze25, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Normalement, ce sera une vidéo review d'un set. Voilà, donc je suis en train d'enchaîner les reviews, donc j'espère les avoir finis d'ici la fin d'année. Donc il m'en reste, je crois, deux en tout cas de Ninjago et une donc du coup d'Harry Potter, voire deux si je veux faire du coup un autre set également. Je vous dis à la prochaine, allez, salut salut!